Aujourd'hui, c'est le 24 juin. Bonne fête à tous les Québécois et les Québécoises. Mais peut-être qu'avant de célébrer, tu devrais peut-être m'entraîner un petit peu. Drapeau du Québec dans mon gym ce matin, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Bon party tout le monde, mais savez-vous quoi? Parce que ça rime avec célébration, festivité aujourd'hui. Je me suis dit, pour se sentir un peu moins coupable, parce qu'on va sûrement consommer, on va manger plus que d'habitude, faisons un entraînement de boxe ensemble. Sac de frappe, punching bag, 5 rounds, 3 minutes par round, 1 minute de repos, 5 drills différentes qu'on va travailler sur le sac de frappe. Si vous êtes prêts, on commence ça. Premier exercice qu'on va faire pour 3 minutes, c'est ce que j'appelle le jab out. Je vais travailler seulement le jab ici. Travailler soit le jab à la tête, soit le jab au corps. Je commence avec un jab, ensuite deux jabs, trois jabs, quatre jabs. Donc un jab, je me déplace, je garde mes mains hautes, je bouge ma tête. Deuxième jab, et ensuite de ça, je fais trois jabs. Et par la suite, quatre jabs. Et je reviens à un, et je remonte, deux, trois, quatre. Et on travaille comme ça pendant les trois prochaines minutes. Compléter deuxième. C'est ce que j'appelle le pyramide punch-out. Okay? Donc, c'est seulement le jab et le direct. Donc, mais avant, mais arrière, je commence deux coups, prends une pause, quatre coups, une prends une pause, 6, 8, 10. Donc, je traverse mon sac, 1, 2, 4 fois maintenant, ça veut dire au total 4 punch. Prends une petite pause, je me déplace, 6 fois par la suite. Ensuite 8, ensuite 10. On descend à 2, 4, 6, 8, 10. Commençons dans 20 secondes. Encore une fois, on peut travailler à la tête.
Il faut travailler au corps, il faut travailler en force, il faut travailler en vitesse aussi. Explosivité, on peut mélanger un peu tout ça. Plus important, c'est déplacement au niveau de la tête. On reste pas toujours la tête dans le même endroit. Faut pas oublier que l'adversaire, lui, il va vouloir nous attaquer aussi. C'est parti! Troisième exercice. On va travailler tête, corps. Donc, peu importe la combinaison que vous voulez faire, vous allez commencer par la tête, vous allez travailler au corps. Donc, je peux travailler jab à la tête, direct au corps. Je peux faire quelques coups à tête, je reviens au corps. L'important, c'est tête, corps. Je me déplace, je rebouge. Tête, corps. Et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment réfléchir à les combinaisons qu'on va faire. Tête, corps, tête, corps, tête, corps. Pour 15 secondes. Et on part ça. Ouh! Bon.
OK, la prochaine combinaison à trois coups. Là, pour celle-là, vous devez absolument faire des combinaisons à trois coups différentes l'une de l'autre. En fait, au mieux, vous ne répétez jamais deux fois d'affilée la même combo de boxe. Puis il y a des milliers là, de combos de boxe à trois coups. Tu sais, exemple, je peux dire jab, crochet en avant, direct la arrière, à trois coups. Je peux faire jab, uppercut au corps, crochet en tête. La créativité, là, c'est ça que vous allez travailler dans cette rang-là, vite créatif. Donc le but, c'est pas nécessairement d'aller vite. C'est de prendre le temps de bien le faire, puis toujours se rappeler, je peux pas répéter la même combo deux fois d'affilée. Idéalement, toujours une combinaison différente. Parti. Down salute the sun.
Excellent. OK. Pour la prochaine, le prochain exercice. Mettez-vous dans le mindset, dans l'état d'esprit que vous êtes en train de combattre quelqu'un. Donc, votre sac de frappe devient un adversaire. Vous allez vous imaginer, visualiser que vous êtes en contre-attaque. Donc, mon adversaire va m'envoyer des coups, je l'imagine. Par exemple, il décide de m'envoyer un jab. Oup! Je peux le bloquer par en avant. Je peux faire une parade. Pop! Puis là, je suis en contre-attaque. Pop! Pop! Je peux venir avec un crochet. Bloc! Contre-attaque. Je peux venir avec un jab. Lean back. Et ensuite, pop, pop, pop. Donc, peu importe, imaginez que votre adversaire, lui, est en mouvement, vous donne des coups, puis vous réagissez. Encore une fois, il faut réfléchir, il faut penser à qu'est-ce qu'on va faire. C'est pas une question d'aller super vite, mais c'est de réfléchir. On y va! L'entraînement d'aujourd'hui. Encore une fois, bonne Saint-Jean-Baptiste. Je lève mon verre, je prends une bière pour vous autres, gang. Amusez-vous. Bon week-end.